Bon, mes amis, comme nous faisons entrer en contact avec Anticon. Alors, moun qui parle de Anticon, eh bien, Josia, nous parlons de qui moun qui est Anticon. Alors, il faut me dire que c'est un grand plaisir pour nous de Anticon avec nous à Soya. Parce que Anticon fait un gros sacrifice parce que actuellement, là, nous connaissons, actuellement, là, et nous, États-Unis, disons, c'est 9h du soir, eh bien, Anticon juste en Allemagne, eh bien, Anticon levé à 3h du matin pour le Vinland de Ralph Condé Show. Mes amis, Anticon, Napsalo, comment est-ce? Eh bien, très bien, merci, ça va. Et je suis bien content, ouais, je me fais effort ça, alors ça veut dire que je suis bien content ou invité dans chose ça. Hein? D'accord. Je me suis de temps en temps, je déjà dit, wow. Ok. Eh bien, Anticon, nous avons pile de monde qui branche là, pile de monde qui se lève là, et en Cap Gado, et monde qui parle Anticon non tantôt, je pense que. Ou gan pile fanatique dans la ou yo kontan wo. Yon a question nou pral pozo, Anticon, et qui vrai non Anticon vraiment? Eh bien, bon, ça qui pas encore connaît histoire là, moi même, c'est Cornelia Schutt, famille moi c'est allemand, alors c'est un nom bien allemand, mais on connaît là, grandi en Haïti, moun yo pas quitté ou avec nom comme ça. Hein, ouais. Alors, yo tire le petit con, le petit moun, petite Cornelia, ouais, yo créolisé non moins. Okay. Et puis ça tout rete, et puis l'homme commence à chanter. Et pas de pensée en pile, moi juste prenons ça, et bon, jusqu'à qu'on y a, l'irrité avec un moment dans la carrière ou pas qu'à changer non encore, parce que mon yo vin identifié avec ça. Ouais. Bah, elle a marqué sous premier LP moi, alors de ça, pas de pensée que peut-être à l'âge moins qu'on y a, m'a petit con toujours. Mais bon, l'igon avantage, oui, parce que. Comme ouais. Nous sommes tellement différents, okay. Si mon yo tape li dans Google, tout bagay ou trouvé c'est moi-même. Alors ouais. C'est un avantage. Non, ça c'est venu être un trademark pour vous. Oui, c'est ça. C'est plus un trademark que vraiment un nom. Et bon, Kounia, tu connais, nous connaissons que, et toujours poser tout artiste, parce que tout artiste, bon côté sorti, et donc, et bon côté commencé. Oui. Comment tu connais commencer la musique? Parce que pour avant pour montrer, parce que depuis nous on conduit la guitare ou toujours la femme à la guitare, on garde ça. Et comment tu connais commencer la musique et comment pour qui ça que c'est un guitare ça et pour qui ça c'est un instrument ça qu'on choisit? Bon, au fait, on connaît là où grandi en Haïti, musique tout partout. Ouais. Moi t'es vraiment moi t'es une bonne pas aimé non ça t'as dit maman haïtien moi qui t'a occupé qui t'a poté qui t'a dansé avec moi raconté conte toute la journée la poté sous brali et musique là entraînant en dame donc moi gritio et créole là surtout parce que première langue moins parlée c'était créole à cause de situation ça il était occupé t'es prend un pile soin de moi et je crois que bon musique là commencé à rentrer en moi depuis bébé au fait après ça je chantais gain compte gain toute bagaille ça yo qu'entendait autant de tambour yo qui dans voisinage nous pas bon nous t'ai gain tourne disque mais nous pas t'entendait en pile musique là quand moi. Mais la musique là tout côté en Haïti, on connaît ça. Ouais. Et c'est juste à l'âge de 10 ans comme ça, tu as un groupe d'amis, carénage, au Cap, tout le monde a joué guitare, alors tu as envie de commencer à jouer guitare tout, parce que bon, là, ça c'était une chansonnette française, ouais. Françoise Hardy qui t'a chanté, tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues de Padoue. Bye, ça y est, ouais. Alors, ouais. Ça t'est venu en bail qui m'était envie fait. Et j'aimerais dire non, musique que écrit, qui est les musiques, bah, elle a commencé comme ça et puis divine grandit, que lui vraiment venu en grand amour. Au commencement, on a joué, on a envie fait ça, mais à l'âge de 11 ans, on a commencé à prendre le son guitare. Ok. Bon, pour qu'il choisisse un instrument guitare, parce que comme c'est chanté, je voulais chanter. Alors, c'était logique que je prenne une guitare pour accompagner moi, parce que j'ai un piano dans Kaila. J'ai un accordéon, mais l'accordéon était tellement lourd, tellement gros, tellement compliqué. Alors, ce n'est pas avec ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé avec une petite guitare qui a un code métallique, qui était très dur pour chanter avec guitare ça. Et puis,
Si nous t'entendons tant que Toto l'a raconté, il prend la guitare là et boum, il commence à jouer depuis le petit monde. Moi-même, c'est pas comme ça. Faut que vraiment apprendre et puis Apprendre me un guitare. professeur, OK. et Jean Méniaud de Septentrional qui t'a bonne leçon. Alors, c'est passé à corps, vous comprenez? Ouais. OK. Et fingerpicking, passé à corps, mais au commencement, le poids passé à corps et puis vous faites fingerpicking et pour chanter en plus, j'ai trouvé ça très compliqué. Ça OK. t'est vraiment pile temps et en pile temps pour me commencer vraiment à faire ça. Même t'es vraiment t'es décidé si ça me t'est envie de faire. Alors, me D'accord. rester là-dedans et me t'es un professeur. Vous connaissez un bon bagage au Ouais, commencement, c'est au vrai, besoin c'est vrai. d'encouragement et au Au monde qui besoin dit oh, professeur. voilà. Définitivement, définitivement. Mais tu connais, donc, nous tous les captains de là, nous, ouais, comment que, tu connais commencer la musique et comment que tu choisis la guitare et comment le fait, d'une connais la guitare, tu es un professeur, tout le monde, c'est ça. Et il y a une autre question, tu connais. Et, mais même, m'attendais longtemps, à l'époque, la moitié de Timoun. OK, mais et toujours un style vraiment et très différent. C'est sûr que vous avez chanté, ou pas jouer compas, ou pas jouer une musique traditionnelle, cardio, que dansante, que haïtienne. Style Tikona, nous avons dit que son style qui est un peu classique qui mélangeait avec un culture panon. OK, mais si je me pose une question, ça. Comment qu'a défini vraiment style que tu connais jouer? Moi, commencé avec chanter folklore, yo. Mais comme moi, j'étais en Allemagne tout après, moi, jouais en façon différente. T'as joué tout simple à la guitare. Ça, c'est le premier LP, moi, qui est à Haïti. C'est vraiment, c'est musique, tant qu'au Mini Sazaka, la Tibondite. Musique, ça, yo, qui l'a depuis longtemps et qui continuait jusqu'à qu'on y a, qu'à continuer l'autre génération, yo. On commençait avec musique, ça, mais. M'te toujours connais que m'te voulais composer moi-même tout, m'te voulais enrichir programme moi et disons répertoire moi avec l'autre musique. Alors, t'es gain musique moi-même t'as composé et puis m'te chercher travail avec compositeurs différents OK. parce que chaque monde a un style spécial qui j'en écris et sous les grandes variations de musique, l'intéressant qu'on travaille avec l'autre monde tout parce que chaque monde a un style payo. Alors, Définitivement. par exemple, Henri Célestin, t'a demandé écrire un chanté pour moi qui semblait chanter Septentrional et tout ça. Alors, il écrit Fête Champêtre pour moi. OK. Jean-Claude Martineau, il écrit un paquet de chanté pour moi. Moi, parfois, moi, dis qu'il t'aime, mais il écrit chanté pour moi. Et puis, après, là, au chanté, on n'a qu'à penser que c'est vous qui faites. Et Ouais. puis, grand tube, moi, sous le ciel d'Haïti, c'est Marcel Ogil qui écrit musique ça. Dès que moi, j'entends des musiques là, je me dis, ah, OK. c'est moi qui vous chantez. Et bon, arrangement, yo, on connaît ça baille un peu valeur tout en musique. Yo. Donc, on On connaît travaille ça avec un vraiment. pile d'autres artistes en parallèle qui sont Edo, écrit musique et tout. Oui. OK. Mais je te connais tous, c'est fort un style pas dans l'écriture, musique comme composé moi-même, tant que cerf-volant, colibri, qu'on y a dans le Ouais. dernier CD, Placatap, Cap Haïtien, toute musique ça. Au fait, moi, très, très fière parce que y a un livre qui sorti, qui est une chanson d'Haïti, c'est OK. une collection de musique. C'est Karine Magron et Julio Racine qui mettaient musique ça en partition. OK. Et moi, me font CD avec. Ça a vraiment les concentré. Volume 10 là, les Ticones. Ça veut dire que c'est pratiquement toutes ces musiques PAM. Ou c'est moi qui fais musique là, ou c'est moi qui fais mélodie That's et good. paroles. OK. Alors, je me CD là-dedans, que côté mettez 18 musiques. OK. Et musique ça, et puis livre ça a distribué en Haïti Alors, font-ils monter par. le livre là pour que Amunio Kawe puis bien? OK. Faut que. On Non, va montrer les comme ça. OK. font-ils monter le level? Puis oh, OK. voilà, OK. Alors, c'est comme nous Kawe n'a regardé là, c'est un livre que tu connais écrit qui est les chansons d'Haïti et puis qui gagne toute musique en dedans avec un CD. Pour me corriger, ce n'est pas moi qui écris. Ah, OK. C'est Karine Magron et Julio Racine qui mettaient. Parce que moi-même, moi, pas qu'on écrit note. Oh, OK. Moi, vous comprenez, eux-mêmes, ils Non, prennent alors moi, je ça dis et musique, ils yo. sortent dans une collection qui est les chansons d'Haïti.
qui gagne un volume, par exemple, qui en Cide Rose, qui a un volume avec Raoul Guillaume, qui a un OK. volume qui traditionnel seulement, C'est bien, et qui a c'est un bien. volume 10 qui est Ticone. Et puis, on peut le distribuer dans l'école en Haïti, dans l'école de musique, avec Fondation Odette Roi-Fonbrun, qui a fait ça. Alors, on trouvait son Ça, belle son bel projet. façon pour sauvegarder musique moyenne. Bel projet, bel projet. Non, l'autre question, Ticone, et vous connaissez toujours demandé à un artiste ça, et tout artiste toujours un monde qui est inspiré, ou même en tant que Ticone, qui monde qui est inspiré? Ah, un pile monde. Mais il y a un bail qui était très important. Au commencement, nous avons gagné Toto Bissin est venu au Cap un jour. Il était fait un spectacle. Moi, j'ai visité. Moi, j'étais ouais, qui Jean lui-même lui montait sur scène, qui Jean lui parlait en créole avec public là, qui Jean dansait, qui Jean lui interprétait musique folklorique. Yo. Ça t'a impressionné, mon pile. Je crois toujours que son bail qui est important que mon ouais live concerto parce que Ouais. yo, là, ça le prend feeling non, de artiste là. C'est ça, c'est Après ça. ça, on était gagné des LP de Mata Jean-Claude, du point de vue folklore, voix, tout ça. OK. Ça t'a influencé. Et Influence plus tout. tard, le rentré en Allemagne, à partir de 13 ans, moi j'étais en Allemagne en boarding school, internat. Le ça, moi j'étais très fan de John Baez. OK. Qui est grand folk lady en Amérique et qui justement chantait pour compte lui avec guitare folk et l'autre composition que lui-même ou des compositions de Bob Dylan par exemple. OK. Alors toute vague ça côté c'était un peu folk, un peu guitare, un peu message, ça t'a influencé. Et OK. naturellement, il y a l'autre monde comme Harry Belafonte, c'était très important. OK. Parce que j'étais apprendre un paquet de musique de Harry Belafonte, tout, parce que l'homme t'a chanté en Allemagne, moi j'étais con mélanger musique parmi eux avec deux, trois musiques de Harry Belafonte, parce que moi j'étais connais et j'étais comprenais un peu, c'était anglais. Mais c'est juste pour enrichir le programme, là, tout. Ouais. OK. Bon, Et, après, il y a un peu l'autre monde, vous comprenez ouais. ça. Non, Kouda, tu connais. Une question qui passe dans la tête, mais là, bon, dès que je te pose une question, ça quand même. Depuis où commencé en carrière, où je vais dire, où toujours chanter en créole, et vraiment, et descendant, c'est allemand, et vous faites en Allemagne, ou censé grandir en Haïti, où tu dis, c'est là depuis à l'âge de 10-12 ans, ou en gâtant catch créole là, ou gâtant gain langue créole là. Mais ça va jamais vous en tant qu'artiste ou faire un album et encore chanter en allemand. Bon, on a recommencé un peu plus tôt et moi arrivé en Haïti à l'âge de 2 mois. Deux mois, Au OK. fait, maman allait en Allemagne juste pour naissance là. Ouais, elle était OK. quand j'en peur pour l'hôpital et tout ça. Et à 2 mois, on était déjà traversé l'océan sous un freighter, un bateau. OK. Et pour montrer à Cap-Haïtien, au fait, depuis l'heure ça, alors c'est pour ça vraiment me grandit tout l'âge, l'homme de petit, c'était en Haïti. En Haïti, ouais. Mais créole là pour moi, c'est une langue que me remet chanter là-dedans. Il est vraiment très poétique, il est très doux, il a une belle sonorité. Tout le monde remet entendre créole. C'est un coup antillais, un coup portugais, son Ouais. langue qui est plaisante. Ouais. C'est Il y a sûr. un peu vocal là-dedans. Le rap composé, il y a pile possibilité pour composer là-dedans parce que il est très facile pour rimer, il y a des images. Vraiment, son langue qui a pile avantage. Mais pas qu'on est. Seul bagaille, mais par exemple en Allemagne, le rap chanté en portugais ou en espagnol, moun yo pas comprendre non plus. Ouais. Alors créole là, yo presque pensé parfois que c'est français. Je dis, mais ça, c'est un français qui m'ont dit, genre, pas fini de comprendre, ni. Et puis là, m'expliquer. Et de temps en temps, quand je mélange un petit bout en allemand, même moi, traduis un petit bout dans chanté en allemand ou en anglais. Mais disons, ou pas, j'aime faire un album, vraiment, ou pas, j'aime faire chanter et Ah, que c'est allemand ou à chanter seulement. non, allemand, non. Allemand, OK. vraiment, Alors, c'est. c'était sa question, est-ce qu'on parle de Ah oui, chanter en allemand? allemand. Non, c'est pas allemand. Allemand, peut-être m'écrit deux, trois musiques en allemand. Même pas Ou pas une chanter en allemand. très belle musique en allemand. Même pas j'aime sortir.
Ou pas, j'aime Mais sortir. pas en anglais, excusez-moi, pas sinon l'autre direction. Ouais. Mais au fait, Guillaume, album m'a été fait qui en anglais. En Alors, anglais? parce que Ah, ok. tu pensé, bon, Ok. y a un album parce que tu pensé peut-être, si mon yo cap grandi dans la diaspora, yo t'a remé connaît qui poésie que m'a chanté en créole. Alors, si yo pas comprendre créole, yo capable comprendre en anglais. Ouais. Alors nous, ouais, tout y connaît, nous, ouais, malgré que m'a regardé deux, trois prestations ou fait, parce que actuellement, ou en Allemagne, ou à vivre en Allemagne, et nous, ouais, malgré que ou à vivre en Allemagne, nous, ouais, tout concert ou fait, toute prestation fait, ou toujours chanter en créole. Ou toujours chanter en créole. Est-ce que son choix, ou du moins, est-ce que Mouyo, bon, et ça fait dire que musique, son langage universel que lui. Depuis, c'est pas la musique qu'on attendait, et pour même comprendre ça, mon abdi. Mais nous toujours quand même, ou toujours qu'un des cultures haïtiennes, hein? Malgré que dernièrement, on a regardé un concert, un paquet de petits mondes allemands et pour chanter en créole. Mais est-ce que y a pas de monde qui soit à chanter là, qui soit parler la musique là? Y a pas de monde comme ça? Oui, je racontais avant, je racontais une histoire qui m'a chanté en créole. OK. Et si vous avez une petite vidéo, ça, c'est vraiment mignon parce que c'est tout le monde qui t'a ramassé l'argent pour l'école en Haïti. OK. Et comme pour dire merci, nous t'avons fait un petit concert pour eux. Et justement, percussionniste, moi, il travaille dans l'école, ça. Et tout le monde, ça, oh, il était content. Première musique, là, déjà, m'a chanté. Et puis, me fait chanter Agoé avec moi, des petits bails comme ça. Et puis, OK. déjà, première musique, là, c'est première fois que ça arrivait. Ils ont commencé bis, 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 tu vois, OK. pour me répéter. Il Vous était répétez vraiment encore? OK. ambiance. Non, ils ont senti que Gimbaï a passé, nous c'est Mais son langage. comment ouais tu connais évolution musique là en Europe parce que je pense que c'est en Europe à vivre. Comment est évolution avec pour bien préciser comment est évolution musique haïtienne en Europe? Bon, ou pas en pile musique haïtienne. Moi, en Allemagne, c'est naturellement toute une autre situation qu'en France. Parce qu'en France, il y a la musique antillaise qui est en créole, et puis il y a en pile haïtien, en pile plus haïtien qui vivent à Ouais, Paris c'est et dans sûr. la zone Sayo. Antillais, Ici, en Allemagne, vraiment, nous avons un petit club à Hambourg, nous 30 membres. Hein? Alors, Oh. si nous faisons un concert à Hambourg, peut-être nous avons 20. 20 Haïtiens dans la salle là, et puis il y OK. a 150 Allemands. Ouais. Oh, Alors, pour OK. dire que vraiment, vous visez un autre public. Et, artistes haïtiens qui vivent en Europe, ils sont obligés obligé viser un autre public, et ça veut dire tout que peut-être qu'ils ont un autre style que tu as fait si tu étais en Haïti. Alors, vraiment, ils font Ouais. plus world music. World music, ouais. Aller dans l'autre direction pour tout le monde c'est pas seulement compas, mais il Ouais. fait l'autre qualité musique Justement, il y a qu'à toucher un public qui est assez qui est grand, assez quoi. large. Ouais, qui Et est au assez fait, large. parce que moi ouais que gain en pile monde, parce que moi ouais gain en pile monde qui pas fin connaît qui ça cap passer en Europe avec musicien haïtien yo, moi fait un CD. Si vous voulez, je vous montre au lit, Eh qui est les 12 Voices of Haiti. OK, 12 Ouais. volts of the OK. Côté moi, justement, moi contacté 12 artistes haïtiens que moi connais en Europe. Et puis, moi fait une sorte de sample avec musique payo que OK. moi mettais ensemble sur un CD. OK. Et chaque artiste a un stock de CD pour bailler dans la radio. Ça veut dire un artiste a fait publicité pour l'autre artiste en même temps. OK, good, Et good. en même temps, ça t'a fait une très belle C'est un très bel mouvement, compilation, ça. C'est un oui. très bel mouvement. Mais Et est-ce que c'est ça est disponible online, si on a besoin d'acheter, si on a besoin de jeûner? bon, seulement dans live concert, l'homme fait concert ou l'autre artiste fait un concert ou si on m'a demandé moi-même pour me voir le pouillot. Moi, j'ai un Facebook site qui est 12 Voices of Haiti parce que ce n'est pas vraiment un bail commercial, nous t'a fait. C'est un OK. bail. Disons plutôt une compilation de publicité pour musicaux et pour artistes. OK. Mais quand même, nous sommes arrivés sous place 7
septième place dans European World Music Oh, Charts. that's good, that's good. Et c'est incroyable parce que c'est vraiment difficile pour entrer dans le chart, ça. On C'est un t'aidera. côté peut-être ça intéresser mon YouTube. C'est un côté à Berlin où qu'a voyé CD, il faut envoyer 50 CD avec 50 euros. OK. Et vous voyez dans toute radio qui jouait World Music et OK. journal qui fait World Music. Et c'est Mounsayo qui fait un chart et qui OK. mettait musique en chart. Mettez en charge, OK. Bon, Oui. déjà quand même son bel balai, c'est son bel Oui. mouvement. Il T'es est très très belle. fière. Oui. Pour tout artiste, moi, t'es Pour fière, tout oui. artiste, c'est sûr. Et il y a une question que je pense que tout artiste toujours gagne, parce que je me toujours dit que dans toute carrière au monde, et ou gain des bons moments passés, ou gain des mauvais moments passés. Mais le cas Ticone lui-même, qui bonne expérience et qui pire expérience que Ticone fait dans le business musical? Oh, bon, puis bonne expérience, c'est peut-être comme tu as eu la chance de travailler avec un paquet de grands musiciens et un paquet de bons compositeurs. Vraiment, moi, très grateful. Pas qu'on ait qui j'ai dire ça en créole, moi, quasi seulement merci que tu aies rencontré artiste Sayo, que tu aies voulu coopérer avec moi. Et dernièrement, j'ai fait des concerts avec Bello, c'était une très belle expérience tout. On travaille avec Beethoven sur un CD que nous faisons avec Jean-Claude Martineau. OK. On travaille avec Jean-Claude Martineau, Coraline, belle expérience tout. Et puis sur scène, naturellement, rencontre artistique, ça y est tout. Sur Yeah. scène, c'est belle bagaille. C'est belle Moi, bagaille. j'aime monter sur scène, pas tant qu'on a un festival côté gain 20 monde qui a passé Ouais. ou fait musique. Mais vraiment, concert, côté, c'est moi-même avec un artiste, maximum trois artistes, et Ouais. puis ou qu'a développé un thème sous scène. Voilà, ça. Définitivement. Et est-ce Alors, qu'on ça, a une c'est des belles. vieille expérience tout qui vaut en carrière musicale? Bon, il y a quelques organisations de concerts qui étaient vraiment décevantes. Et puis, peut-être, un jour, moi, find out. Moi, OK. ouais, que mon CD qui sorti, qui est les Best of Ticon, avec un microphone sous lui. Il y a quelqu'un qui fait un Best of moi, qui n'a jamais demandé rien, et puis qui juste Wow. sorti Best of là. Et puis, et bon, moi, pas encore mouru, moi, là. Vous comprenez, la famille m'a arrêté au cap, puis au capable de joindre moi. Ouais. Et bien, là, j'ai vendu CD sans en pile. Et au fait, c'était seulement une copie de premier LP, moi, qui est les Haïti, Wow. avec un mauvais son, avec un mauvais cover et tout ça. C'est vraiment. Ouais. Bon, c'est pas ça, pardon. Nous-mêmes, quand on regarde là, c'est une des raisons que nous toujours dit que supporter Artichaut, acheter produit original Artichaut et puis suspendre, faire copie. Parce que surtout, nous, quand on est en business, nous voyons que bah, on dit, genre, technologie, à moins que nous fassions une émission. Et sur ça, sur technologie qui vient de la musique, là, c'est sûr que faut nous avancer. C'est en 2020, nous y est, technologie apparaît, nous gagnons, qu'on y a presque, je ne vais pas dire si diamant, oui, mais qu'on y a pile monde utilisé download, fait digital là, mais en même temps, tout, li bon non sens, li pas bon non sens. Malgré pour me faire une émission sur ça, pour me étaler beaucoup plus sujet ça. Donc, c'est. Et parce que nous avons tendance à acheter une graine, nous download une graine de musique et puis nous distribuer le bazar, mais non, nous faisons copie. Et puis, l'artiste lui-même, il n'est pas vraiment bon bagage, vraiment qui vient joindre en volume. Donc, justement, et alors, suspendre, faire copie, garder ça que vous avez. Donc, livrer parce qu'en plus, ce n'est pas vous-même seulement, Ticone. Livrer un Ah paquet de oui, bonnes non, c'est tout le monde. artistes. Eh bien, Donc, oui. on équipe l'autre artiste. Mais il y a Et. un artiste, il y a un ami, moi, Naman, qui dit, ou doit être content de ça, parce que ça veut dire que mon y a envie de musique, ou parce que moi-même, t'as un pile, t'as C'est content sûr. pile si on voulait faire Ouais. un bootleg de musique, moi, ça veut Bon, dire l'idée n'est pas un ou tabou en tant marcher. qu'artiste, exactement. L'idée n'est pas un tabou, mais dans le sens, son Ouais. forme de promotion liée. Sans promotion, voilà. Yeah. Indirectement, il fait que un peu le monde vient t'aider en plus. Bon. Exactement. Et non, ouais, tu connais un talk show qui est le causé musique. Faut-il parler non, de talk show, ça, parce que.
Ticon, c'est même genre avec Ralph Condé, nous, Ralph Condé, gain de Ralph Condé Show. Eh bien, monde qui pas connaît Ticon, un talk show qui est causé musique. C'est un show et d'accord similaire avec show ça m'a fait parce que son artiste qui a interviewé un autre artiste et show là tout les broadcasts surtout là en radio métropole quoi et dans YouTube tout cas ouais show ça expliquez mon oui. Show ça tu connais on fait parler de talk show ça c'est au fait l'année dernière que j'ai commencé avec ça là moi j'étais à Montréal. Moi, j'étais déjà pensé à ça, mais l'homme t'ai rencontré un paquet d'artistes à Montréal, me dit bon, là, faut commencer avec idée ça. Moi, premier talk show, moi, c'était avec Bello, parce que m'tap fait concert là avec Haïti en folie à Montréal. Alors, me dit, vini, n'a pchita son canapé, tous les deux, moi, mettez caméra, moi, là, et puis, n'a parlé ensemble, et puis, me poser des questions qui différentes, parce que, Jean Dia, musicien, a tendance à me demander l'autre question. Ouais. Moi, enregistré à peu près 30 minutes, mais après ça, moi, fais un montage avec ça. Okay. Et puis, intégrer moment côté moi-même sous scène avec lui. Là, on a fait répétition. C'est vraiment une rencontre. Et puis, montrer des portraits, des photos de lui, tout ça. Son recherche que me fait, c'est plus un petit portrait de Atissa, qui j'ai moi-même moins senti, qui j'ai moi-même moins well. Et puis son bail qui pas dans actualité, ça veut dire que après ça, il est toujours resté dans un format de 10 minutes. Comme ça et voilà, tout le monde ca ouais 10 minutes et puis en 10 minutes on gonti si image de artiste là et okay. Puis moi venir dans le salon, nous on a bail causé et puis ouais. Et ben c'est justement causer musique. Et, si... et après Bello, moi fait Toto Lara qui était très amusant. Okay. Moi fait on avec Jean-Claude Martino qui fait sortir. Après, moi gagne l'autre que m'enregistré qui peut encore sortir et puis moi gagne un musicien. C'est pas seulement monde qui connu. Ouais. Un musicien qui relait Western des Amours, son bassiste formidable qui okay. Sorti Gwen Amind et qu'on y allait à Berlin la bay cours de musique okay. À Berlin en allemand. Alors trouvais ça incroyable. Ouais, parcours lui. Alors c'est des exemples tout parce que tu as remarqué qu'il y a un pile jeune qui a regardé ça parce que ouais. Il montrait des réalités peut-être que pas de connaît sous métier à tout mais et chose ça tu connais son monde a besoin garder sous qui ça que les broadcasts sous qui ça que il est capable aller dans channel YouTube hein, qui relait Ticon Music avec okay. C alors vraiment en anglais Ticon Music. Et moi j'ai une rubrique qui est les talk show là-dedans, il y a une playlist okay. Et puis il est allé dans Radio Métropole télé, alors Télé Métropole okay, YouTube. OK. Télé Métropole YouTube et il y a une playlist tout qui est les causer musique, gain 5 qui sorti. Alors de okay. Temps en temps sorti, on peut-être un... chaque ouais. Mois ou bah comme ça de temps en temps pas mettre une tête en pression mais c'est vrai qu'il amuse ma pile parce que c'est moi qui fais tout le bagage, moi filmer, moi fais Final Cut, moi fais editing, moi choisis photo, yo tout le bagage. Moi même pas créatif. Ouais. Mais actuellement, tu connais, est-ce que tu connais un nouveau projet là pour travail, est-ce que qui avance à qui dernier, parce que nous sommes fait mon yo ouais, un nouveau vidéo là de vous même. Oui. Et c'est une musique qui est les. Moi toujours aimant, c'est yeah. Un dernier single que Ticon fait. Est-ce que single ça ou fait as single ou du moins préparer un album? Non, pourquoi penser dans l'album, mais je vais commencer à choisir, je vais travailler sur d'autres musiques là. Quand il y a ces plus, grain par grain, je vais sortir musique, je vais mettre dans YouTube. Et vidéo ça, bon, je vais faire avec une sorte de light show parce que. Photo que m'utiliser pour mettre dans vidéo c'est l'homme t'a fait concert là à Haïti en folie à Montréal. Okay. Et m'était grand très bel éclairage et puis comme pas te gain temps pour faire le bagage, m'dit bon mettre photo ça pour ben ambiance. Okay. Mais bon, c'est plus pour mon yo suivre parole yo. Ouais. OK. Nous connaît qu'on actuellement on connaît que bon, le monde a vivou une pandémie là, son problème nous même en tant qu'artiste, nous c'est pas dit que le pas affecter tout le monde mais nous même artistes nous c'est une parmi moun yo qui prend plus gros frappe là parce que nous pas ka réunir monde parce que
Bon, nous pouvons comprendre qui le ça bon. Bon, malgré qu'on y a, nous essayons de faire un genre, nous essayons de faire virtuel concert pour que nous puissions survivre. Et nous connaissons que en Europe, la tontine est très dure, même avant d'arriver aux États-Unis. En Albaye Kotoya, comment que vous vivez le problème ça en tant qu'artiste? Bon, c'est tant que tout le monde, nous avons eu toute une période où nous avons été la caille, on dit rester la caille, si vous n'avez pas pour sortir, mettez masque, distancing, laver les mains, tout le même bagage ça. Mais quand il y a par exemple à Hambourg, côté moi, il est là, nous avons sorti normalement, nous avons allé dans le magasin, tout le bagage, mais là, dans le magasin, on mettait masque. Okay. Disons, à part de ça, l'idée fait que j'étais plus longtemps peut-être à Hambourg et puis je tape travail sur un paquet de vidéos que je fais au fait la caille, comme ça, house concerts, okay. Que je voyais, moi j'étais participé dans la quarantaine en Haïti, moi j'étais participé dans la fête de la musique en Haïti, moi j'ai participé dans la book fair, quand j'ai participé dans la PAO, moi j'ai participé dans Haïti en folie, au fait, moi je suis dans la caille, quand j'ai mon travail la caille, moi j'ai fait le bail ça. Et il y a peut-être même qu'on y a plus visibilité pour l'audience haïtienne. Parce que ce n'est pas vraiment que je me fais un pile concert moi-même. Ouais. Mais artistes, l'autre artiste, amis mieux, vraiment pour eux, c'est vraiment très, très, très difficile. Hein, parce que toute live show, tout bail, ça est annulé. Oui, c'est sûr. Mais nous, quand même, on dégage pas mal. Parce que nous, quand même, on participe dans deux, trois virtuels concerts qu'on a fait. Oui. Et thanks God pour qu'on technologie à tout. Oui, heureusement, parce que c'est ça qu'a dit seulement, m'encourager, surtout mesdames et tout, pour apprendre un petit minimum de technique, parce que comme ça, ou indépendant, là, moi, filmer avec une petite caméra, et après ça, moi, faire editing dans moi-même. C'est ça, alors, c'est ça. Ça qu'a aidé, pas quitter seulement garçon, il fait bah, ça, vous comprenez. Nous capables. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Eh bien, bon, c'est parce que bayo viré là, parce que définitivement, c'est au pouvant de tête. Et avec virtual là, tout, qui crée un lot, bon, son bail que nous pas habitués avec, la pentrée, qu'on a tout pour faire virtual. Mais c'est bon bagage qui est assez facile, je m'en pense. Parce que l'imande quand même, une connaissance quand même, si pas qu'à faire le même, obligé de prendre un copain qui pouvait une film ou qui pouvait faire tout ça. Et une autre question, avant de finir, quel changement vraiment tu as aimé pour la musique haïtienne, que tu as senti que le marché nous a manqué? Bon, peut-être plus ouverture vers l'autre marché, moi, j'ai l'impression qu'en Haïti, souvent, bon, c'est dans la situation à tout. Comme si vous étiez avec dans le cadre payo, musique payo et tout ça. Moi, j'ai seulement encouragé un pile fille pour, j'aime dire là encore, pour yo lancer tête yo dans la musique, surtout pour yo apprendre un instrument. Ouais. Parce que là où on instrument ou gain on certaine indépendance ou capable faire des concerts ou ça m'a fait là j'en dis à même café parce que me cachita avec guitare moi me chanter c'est vrai. Et puis c'est là où jeune pour commencer parce que c'est pas faut exercer un pile faut prendre les sons ça c'est important et pour capable composer pour capable mettre bail au dehors prendre bail là dans main et apprendre un peu de bagaille, essayer de garder ça qu'a fait en dehors de Haïti. Ouais, gain un peu l'autre artiste qui a évolué dehors. Gain par exemple pays tant comme Mali, yo très présent et gain des artistes africains qui très présent dans world music en Europe. Garder qui ça y a fait, rester original, rester prendre musique qui nous gagne, nous gon gros richesse dans rythme. Dans la langue, dans toute qualité, mélodie, tout ça. Alors, pas oublier que ça, son richesse, et à le puiser là-dedans tout. Ouais. Parce que, moi, quoi, c'est important pour nous apprendre la base. Ça, yo. Après, on a choisi qui l'autre musique vous voulez faire. Mais d'après moi, il faut connaître le rite haïtien. Yo, pas capable de connaître qui ça, un Congolais, un Afro, un Ibo, tout le ça. Il faut connaître. Yo. Après, ça, on va décider si vous voulez faire l'autre musique. Mais, apprendre le métier, chita. Ouais.
Hein, c'est ça. Et puis, Mais... gardez ça qu'a fait dehors, parce que Ouais. gain pile chance quand même. J'en dis, ou gain, qu'on y a mon yo capable de monter sur YouTube, bien sûr, yo poster Ouais. un bagage qui est bien, et puis d'un seul coup, elle a démarré, et puis gain monde qui voit ça, et puis ou lancer, hein, juste avec ça. Mais j'en Alors, ça, sorti c'est bon. à Ticone, c'est que et ou lancer un appel ou dire que pour que mesdames aient beaucoup plus involved et la culture haïtienne, que nous ouais que nous vînons ouais que business commence à gagner mesdames cap. Mais on va aussi dire là très très important, c'est pour yo apprendre un instrument pour yo garantir gens beaucoup plus indépendantes, ok. Une fille, par exemple, tant que, par exemple, soit bah, on conseille à un autre jeune artiste fille qui t'a aimé qu'on joue guitare. Qui ça qu'on qui conseille ou t'a aimé bali comme comment pour commencer, qui base? Alors, moi, t'ai fait, bon, moi, t'ai pris une leçon, t'as dit, commencez avec un monde qui a une bonne leçon. OK. Choisissez une guitare qui allait bien avec vous. Ça veut dire peut-être ni long, trouver lui-même les plus facile pour une fille que code métallique. Mais métallique, ils ont l'autre son. Alors, choisissez ça où vous voulez gagner comme instrument. Si vous pas qu'à acheter une, faut qu'à prêter, répétez chaque jour. Ouais, OK. fait, répétez même si c'est 15 minutes, 20 minutes chaque jour. Plus important que vous chita une heure, 2 heures de temps, une fois par semaine. Ou même vous connaissez ça, c'est parce que après, bah, elle a devenu automatique. Automatiquement. Faut venir, faut arriver dans un niveau avec guitare là que là où vous chantez, oubliez mais on, ou pas besoin de penser à qui ça met on après le fait. Ouais. OK? Après ça, on va qui est très important tout. Faut apprendre déplacer doigto sans pour pas garder. C'est ça, définitivement. OK? Et ça son exercice ou cas vous comprenez? Ou quand même il y a un bout de planche ou mettez quelques cordes sous lit ou coller un bagage et pour ou ap déplacer mais ou quoi. Parce que là ou pas le chanter devant un microphone bouche ou gen pour être devant un microphone non ou pas qu'à virer C'est son sûr, c'est apathie sûr. On va cap garder pour ou pas regarder qu'à côté yeah, garder ou justement. sous font petit bout de solo ou qu'à aller ou font bagage mais Ouais. sinon faut arrêter. Alors faut main droite la connaître ça l'a fait faut connaître non accord yo. Moi-même, t'as dit, apprends en anglais. OK. Parce que, bagay international, toute musique que vous avez, sous cordi, sous vlegen accord, c'est tout, Yeah, c'est, yo pas dans définitivement. do Ouais. ré mi fa sol, C'est yo ça. c'est C'est ça. fa, ouais. Ouais. Après ça, moi-même avec main droite, moi, ça m'apprend comment jouer souvent seul, moi apprendre faire basse la marcher. OK. Faut jouer basse la carte, doum, 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 doum. Après, dans finger picking, m'essayer de mettre rythmique que je vais chanter. Parce que parfois, je n'ai pas de tambour. Alors, Ouais. si je vais jouer une musique qui est afro, je vais faire un finger picking, tang, katang, kang, pap, pap, ting, ki, ting, king, pap, pap, pap. Pour ça, il faut qu'on ait le rythme dans le tambour, il faut qu'on batte avec bouche, et puis, ou mettez le rythme dans la main. Sous fond yon valou, ting ting ting, ti king king, ki tak tak tak, ti king king king. Sous pa gen tambour la, ou vle baye feeling yon valou a, fò ou même ou mette nan guitare la. Ouais. Ouais. Alors c'est comme ça, moi-même, moi vin développer un finger picking qui permet moi chanter pour compte moi. Mba di moi virtuose du tout sous guitare, parce que m'te capable plus loin, faire solo et tout ça, Ouais. mais vraiment ça m'te visé, c'est pour Et au moins qu'à m'accompagner. chanter ou performer pour contour, ou moun ka les ticones seulement et vin chanter le par ta guitare et vin Bah. jouer. Et puis, je ne sais pas combien de fois ça a sauvé. Je Ouais. devais partition, bah, tout un orchestre. Je suis arrivé à New York, je bah, dis non, l'orchestre là. Je suis arrivé, je me rends compte que je n'ai pas même gardé partition. Yo. C'est Et ça. je suis en show demi-heure dans une grosse salle ouais, Wow, wow. avec l'autre musicien. Mais Oui, je vois que oui. l'orchestre là dit, oh, on connaît Ticone, pas connaît, on connaît partition. Je me dis, oh. J'ai l'impression que je ne peux pas apprendre, je ne peux pas connaître rien. Je me dis, bon, j'ai besoin de tambourine, je prends la guitare, je fais tout bas moi pour compte moi. That's Ouais. good, that's Alors, vous good. toujours sentir bien avec guitare là. Ça, son gros conseil. Alors, mesdames, si vous avez mesdames en bas live, vous pouvez regarder qui t'a aimé.
Peut-être 20 ans pour Ticone ou une guitare, mais apprendre un instrument. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que, j'aimerais dire, parce que l'instrument, il rend nous indépendant. Parce que, il y a des mesdames qui ont chanté vraiment, ils sont obligés, ok, ils ont chanté, mais le fait que pas un instrument, ils sont obligés de dépendre si son jazz, son 5-6 nez qui pourra accompagner. Tandis que, il y a des gigs ou des jeunes qui ont perdu un gig, qui était seulement ailleurs pour contour. On peut compter pour jouer. Oui, oui. Qu'on y a, surtout qu'on y a grand pile, toute bagaille que je fais pour Haïti, quarantaine Haïti, et toute bagaille, ça y est, je fais pour compter avec guitare. Mais ça, c'est, oui. Et en plus, ou vignes ont l'autre position envers musicien. Yo. Ou vignes ont musicien, ils gardent avec l'autre yeux. Ils respectent okay. Plus, moi, j'ai l'impression que vous ne venez là seulement pour chanter, chita là, tant moi et tout ça, ou venez. Et puis, il faut qu'on ait technique là tout. Moi, je viens avec microphone, moi, je viens avec jack, moi, je connais qui j'ai pour me plugger guitare, moi, qui ça me voulait, moi, je connais qui ça son DI box que j'ai besoin, et tout ça, il faut qu'on ait un minimum de technique. Plus ou moins formé de environnement de travail. Oui, il faut apprendre de base et tout. Et bon, surtout, moi, je travaille en Allemagne en pile avec un trio. Ça veut dire, nous, y a une guitare, l'autre là, moi-même, je guitare. L'autre là, il jouait Brahms, il jouait basse, il jouait flûte, il jouait guitare, il fait percussion et il fait deuxième voix en créole. Ça veut dire, Lisa, ça aurait été un multi-instrumentaliste. Ça, c'est fantastique. Là, on a un concert à côté, on a changé chaque musique, on a fait une deuxième guitare, on a fait jouer basse, on a fait flûte. Et puis, un percussionniste, parce que moi-même, je n'ai pas tellement aimé jouer avec batterie. Okay. Batterie a trop dur pour voir moi. Moi, vraiment, ça y est, un percussionniste. Ça, c'est l'autre conseil. Yeah. Mesdames, nous capables d'apprendre au moins percussion. Okay. Ça veut dire un shaker. Un shaker. Très important. Okay. Pour apprendre les tout, oui, parce que shaker, la gueule, sous jouer les mal, tout musicien a couru derrière. Il faut qu'on jeune. Exactement. Il faut. Vous connaissez ça. Exactement. Mais on a pas, tu connais, on pas dit non. Et mesdames qui gagnent zong long, vous avez dit vous-même. Oh là 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 là, ok, oui. Je peux le faire un petit coup, je peux le mettre sur YouTube pour mesdames, je peux le mettre quelques petits conseils. Et d'ailleurs, moi, j'ai une page dans le livre là qui baille conseils tout en créole. Okay. Oui, okay. Bon, il faut nous mettre vanité nous à côté, vous comprenez? Okay. Main gauche là, il est sans ongle. Ouais, main droite là, il est sans ongle. Oui, c'est ça. Sinon, on ne peut pas faire finger picking. Et on ne peut pas jouer. D'autres mains, mais son fierté tout, ou reconnaître un guitariste avec ça, faut dire que si on marque, c'est pas un. Et pour pas qu'on mette un peu de couleur, parce que là, on peut jouer, ben, là, on peut le décaler, quitte la naturelle. Et puis, si on me dit, oh, doit être tout drôle, dit, moi, son guitariste, c'est ça, vous pensez. C'est ça. Définitivement, définitivement. On passe pour reconnaître. Bon, et tu connais. Nabdou, merci beaucoup et bon, me souhaiter que et en fait, nous disons merci encore de faire fait sacrifice là au lever à 3h du matin pour venir faire interview ça avec moi et ça fait nous plaisir nous avons pile monde qui a big up pour en balal là et j'ai un percussionniste là qui en bas là qui est Sergo de Suisse qui dit qu'il connaît bien. Ah oui, gros musicien. Ouais, vraiment je vais avec lui s'il est à New York. Ouais, et bien, lui, ça c'est vraiment, c'est ça me t'avoir dit tout percussionniste, c'est fantastique. Ça sonne l'autre bagaille tout, il y a un peu de musicien. Je t'ai parlé avec Bélo de ça, on dit que en Haïti, il y a plus percussionniste parce que percussionniste là, il vient chercher des sons. Li ka jwenn des calebasses, li ka faire n'importe qui bagaille son indifférent pour gain une sonorité qui personnelle à lui-même. Ouais. Li gagne un tambour mais après il met ton cha-cha, après il prend des boîtes métalliques que li font bagaille avec lui, li font grage et tout ça et en même temps là jouer toute bagaille. Ouais. Et puis percussionniste pam là, li gon bass drum en même temps, ça veut dire que la kembe bass drum en même temps. Et il fait, c'est tout un orchestre, ou bon percussionniste. Il est capable de kembe, ou pas besoin de tambourineur avec un batteur, ou bon percussionniste, il fait tout le bagaille. Ouais. Alors. C'est ça. Mais tu connais tout à ton dernier mot avant de finir pour dire en public à Cap Galo, qui est-ce que tu as pied? Eh bien, peut-être moment confinement ça, que nous étions plus la caille.
Peut-être nous capables d'utiliser tant ça si nous dans la même situation ça toujours, justement pour commencer un instrument, pour connecter avec l'autre musicien, pour créer, pour écrire musique, essayer de prendre tant ça pour faire un bagage positif avec lui, OK. un bagage qui pourrait aider nous pour plus devant parce que nous pourrions sortir quand même de Bon, période on ça tout et a après prié pour ça. ça. Ouais. Nous espérer que nous pourrons redémarrer, nous pourrons rejoindre le public là Ouais. et nous capables préparer nous et puis nous capables réfléchir sous vie nous qui ça qui est important. Il y a un pile bagaille qui circulait dans Facebook et Instagram et tout ça. Là, vous chita à la caille, vous réfléchissez, vous dites tout bagaille, ça n'est pas vraiment important. Ça qui est plus important, c'est la santé, C'est la santé, ouais. C'est vrai. c'est les amis, ok, l'amour. Ouais. Et puis, naturellement, souvent, bah, étant cours art, dans la vie où ça fait peinture et tout ça, ça capable d'aider en pile dans une situation comme ça. D'accord. Merci, Sikon. Après, rappelez-nous que nous sommes de Ralph Condé Show. Nous avons fait un petit chita parler avec Sikon et directement, et qu'a fait une interview avec nous là, directement en Allemagne. Et m'a dit nous supporter la musique haïtienne, supporter Tikon, c'est un artiste haïtien depuis longtemps et la vit en Allemagne. Et justement, il n'a pas jamais perdu culture, li, malgré la vie dans l'autre pays, il toujours chanté en créole. Et si mon t'a besoin, par exemple, Tikon, acheter musique Tikon, et qui côté occasion, est-ce que toute musique Tikon yo available dans tout online store? Prenons gain page YouTube ou mettre page YouTube là tout? Que Oui, pas bon, avec moi, YouTube, c'est Tikon Music, c'est même OK. bagaille. Instagram, moi, fait monter sur Instagram parce que tout le monde dit, faut qu'on aille dans Instagram. Il y a Voilà. déjà 200 followers. OK. Regardez, peut-être après ça, on va pas gagner plus. Oui. Après ça, sous page Facebook, moi, nous, quand vous envoyez un message, et puis, m'a dit, nous, qui j'en pour nous jouer une musique, yo. De OK. toute façon, moi, sous iTunes. Et puis, moi, fait mettre, ma pas mettre toute musique. Yo, t'es dans CD Baby, mais CD Baby fait quelques changements. Ouais. Moi, poil dans Instagram, moi, poil dans Spotify et tout, bah, ça, yo, tout. OK. Et naturellement, il y a un pile. Puis bon, c'est si nous allons dans un concert, nous faisons un concert, puis nous achetons un CD, nous Ouais. film, Et bien, nous film espérer tout chanter. après confinement, j'ai déjà nous parler de ça, que Oui. nous connaissons toujours, ou toujours voyager, ou toujours faire des concerts, États-Unis, Haïti, tout. Et tout Oui. côté, j'espère que Mounio a pu être Tikon en live dans un concert. Espérons que tout bagaille que Mounio suive conseil, que nous pas attendre trop longtemps pour nous sortir dans le problème. J'espère que Mounio a pour bientôt sur scène, Tikon. OK, et de toute façon, dans YouTube, tout ça, je m'a mettre dehors. Et puis, parce que je connais sur YouTube, il y a plus de monde qui est capable. Sur scène, c'est toujours un petit groupe seulement qui est capable. Ouais. Même t'as que même en fond, si c'est sous la torture ou le B2N ou n'importe qui côté en Haïti, que mon yo capable, si yo intéressé, yo capable ouais qui ça me fait musique, moi, chanter avec, tout OK. ça. Encore merci Tikon et Merci Nabdio. Ralph qu'on Merci, invité. merci, c'est Est-ce ton que c'est la plaisir. première fois qu'on madame une femme Oui, dans. c'est première fois, oui, c'est première Oh, fois quoi. ça c'est un gros honneur. C'est pour ou c'est premier et fille qui passait Fille. une garde ou dame Oui, qui dame, passait oui. l'anchois et m'espérer que j'en sois dit ou sautant son appel avec mesdames pour plus involve. Et pour yo, nous commençons ouais ça, nous commençons ouais mesdames, Oui, yo commence à prendre le bien. large l'en business là. Donc oui, donc n'abgé pour venir peut-être avec Émile Michel, Witchell, de ces l'autre nom Misty Jean. Donc on pas qu'être l'autre bonne jeune mesdames encore qu'a venir, mais Oui. ça ou dit a vraiment et m'pral font un petit focus sur lui, emphasize sur lui, c'est à faire et me trouver très 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 important et mesdames captant des choses là qui branchées, même si nous regardons après, apprendre un instrument. Il est très important, mais ça, tu connais, vous ben non. Oui, C'est c'est ça. ça. En tout cas, Merci. merci. Merci encore, tu connais. Et puis, j'espère que, par contre, next time, nous apprenons encore et puis, on peut passer sous choix encore. OK? D'accord, avec plaisir, Alphin. D'accord. Merci un peu. Ciao. D'accord, merci. Bye bye.